Qu'est-ce que vous écoutez? Les enfants, qu'est-ce que vous écoutez? La TV. Non, je sais bien, mais quelle émission? Ah, c'est une famille, les Brodeurs, qui est filmée 24 heures sur 24. On suit toute leur vie quotidienne jusque dans les moindres détails. Comment ça s'appelle? Big Brother. Puis c'est bon. Quand tu commences à regarder, là, tu peux plus décrocher. Hey, ça y est. Hugo vient d'entrer dans la cuisine. Hey, je me demande qu'est-ce qu'il va mettre si tôt ce matin. Passion. Là, il ouvre l'armoire. Hey! Oh! Il se prend des céréales. Hey, mais je l'avais pas vu venir, celle-là. Oh, hey. Les enfants. Hey, c'est juste des gorlots qui sont assez exhibitionnistes, se laisser filmer 24 heures sur 24, t'sais. Bah, c'est leur vraie vie. Oui, mais elle est pas moins plate parce qu'elle passe à la TV, tu sais. Pourtant, on a vraiment l'impression de se reconnaître. Dans quel sens? Ben, c'est un père divorcé qui a ses deux grands-enfants avec lui. Puis il pense faire des codes d'écoute avec ça. Hey, Romain! Hey, Denis! Une petite frette, mon ami? Tu trouves pas qu'il y a un peu de bonheur pour prendre une petite frette un matin, toi? Y a-tu quelqu'un qui va nous voir? Ben, drôle raison. Pis, quoi de neuf en amour, mon Denis? Ah! Dominique, mon chum. Oh, oh, oh! Ça a fini par aboutir? Ben, mettons que Dominique, c'est une fille qui est pas mal jet-set, tu sais. J'ai mis le paquet. J'ai mis mon habit Hugo Boss, je l'ai amené dans un grand restaurant, puis pour l'impressionner, le gros type, puis tout. Ah, oh, puis après? Ben là, je veux pas rentrer dans les détails, là, question de la respecter. Ah, oh, c'est sûr. Mais, disons que j'ai fait quelque chose qui est même pas dans le camasuto. Oh, sacré Denis! Et toi, quoi de neuf? Oh, moi, tu sais, suite à la vague de vol par effraction dans le quartier, ça m'a porté à réfléchir sur la sécurité de mon local. Tu te fais poser un système d'alarme. Mais pas un panel système d'alarme relié directement au poste de police, là, Denis. Non, monsieur, mais bien le Spy Alarm Super Checking System. Spy Alarm Super Checking System. Oui, Denis, le Spy Alarm Super Checking System. C'est un système d'alarme muni de micros et caméras reliés directement à une centrale où des spécialistes se relaient jour et nuit afin de s'assurer scrupuleusement que rien de suspect ne se passe chez toi. Mais là, qu'est-ce qu'ils font s'il y a quelqu'un qui défonce chez vous? Ben là, il décroche le téléphone, il signale, puis quand ça répond, il raconte à la police. Comme ça, il y a du monde qui vont te surveiller comme ça, 24 heures sur 24. Ça te rassurerait, toi aussi, de savoir ça, hein? Mais ça te gênera pas un peu? Ben non, moi, quand c'est pour des questions de sécurité, là. T'es sûr? Mais c'est quoi le problème? Ben, je sais pas, mais t'auras pas l'impression d'être un peu comme dans l'émission de TV, le Big Brother. Là. Hein? Tu regardes ça, toi aussi? C'est-tu assez bon, ça? Hey, moi, la passe des céréales à matin, là, je l'ai pas vu venir pas tout. Fait que là... Hugo arrive dans la cuisine. Puis là, évidemment, la question est qu'est-ce qu'il va mettre sur ses toasts? Évidemment. Puis là, il ouvre l'armoire. Et là... Oh. Et là? Là... Envoie Sylvie, là. Mon vidéo marche pas, j'ai pas pu l'enregistrer. Fais-moi pas languir de même. Puis là... Il sort une boîte de céréales! Quel revirement! Non, c'est pas vrai. Vous allez pas me dire que vous écoutez ces niaiseries-là, vous autres aussi. C'est pas une niaiserie? Ah non, t'as raison, c'est pire. C'est pathétique et immoral. Pourquoi c'est pathétique? C'est pathétique parce que ces gens-là, ils vivent comme des animaux dans un zoo. Sauf qu'eux autres, ils ont rentré volontairement dans le cadre. Puis pourquoi c'est immoral? Mais parce que c'est du voyeurisme. Puis je suis pas sûr que ces gens-là, un jour, vont pas se réveiller. Ça peut savoir que chacun des détails de leur vie privée fait partie du domaine public. Hey, Denis! Le monde est petit, hein? Ça a l'air que tu connais Dominique. De Dominique qui? Ben, Dominique Dussault. Ah! Je la connais un petit peu comme ça. Pourquoi? T'as connais? Ben oui, c'est ma bonne chum. Et puis... Je suis sa grande confidente. Ah ouais? Denis? Ouais?
Ça a l'air que tu as fait quelque chose qui est même pas dans le Kama Sutra. T'en as parlé? Ben, allez effleurer le sujet. Ah. Et tu sais pourquoi c'est même pas dans le Kama Sutra ce que tu as fait? Non. Parce que c'est plate, la position du missionnaire. Denis? Oui? Comme ça, tu t'es vanté d'avoir laissé un gros pourboire au restaurant? Mais je peux pas vanter comme tel, là. J'espère, parce qu'un gros pourboire, là, c'est 15 % du total, hein? Pas 15 % de la taxe, hein? Denis? De quoi encore? À quoi ça sert de payer 1 500 $ pour un complet Hugo Boss si t'es pour le porter avec des bas blancs dans les pieds? Tant qu'à y être, voulez-vous savoir la couleur de mes bobettes? Rouge! Ah, je suis content de vous voir. Pas encore votre maudit Big Brother. Les enfants? Où? La Terre appelle Mélanie et Nicolas. Mes enfants, je voulais juste vous dire que je vous ai déshérité. Et ça sera pas bien long avant que vous soyez dans le trou parce que j'ai le cancer. Phase terminale. De toute façon, je m'en fous, soyez dans le trou parce que de toute façon, vous êtes même pas de moi. Hey! Qu'est-ce que tu fais là? Mais je la ferme. Parce que eux autres font juste me rappeler que j'ai passé la journée à penser que tout le monde savait tout de moi. Bon, oui, capote. J'espère que vous avez trouvé au moins l'énergie pour répondre au téléphone quand il sonnait. Oui, là, il y a la compagnie d'assurance qui a appelé. Pourquoi? Ben, ils refusent d'assurer ton nouveau char. Ouais, ils ont découvert que t'avais une étiquette de pas payé au Nouveau-Brunswick en 1982. Oh. Puis la banque où s'est appelée? Ben, j'espère que c'est des bonnes nouvelles. Pas vraiment. Ben, c'est quoi? Ils refusent de t'accorder un prêt, là, parce qu'ils ont appelé au bureau de crédit, puis ils savent que t'as déjà fait un chèque sans fond. Je me rappelle pas là, de ça. Ah, mais c'était pour un ticket au Nouveau-Brunswick. Je suis en train de vivre un cauchemar, moi, là. Oh, hey, regarde ça. C'est Gilles le père. Oh, non, pas en bobette. Rouge en plus. C'est tellement ridicule. Hey, lui, il va en entendre parler à son bureau. Oh. Hein? Hey, Romain. Bien le bonjour, mon Denis! Enfin, on va pouvoir relaxer. J'ai l'impression toute la journée que tout le monde me surveillait. Petite frette, mon Germain. Oh, je ne crois pas que ce soit bien raisonnable que nous consommions une boisson alcoolisée à une heure aussi matinale. Mais non, toi, on a pris une hier, puis t'as encore même plus de bonheur que ça. Ah, je n'en ai point de souvenir. Ah! De toute façon, comme tu le dis si bien, y a-tu quelqu'un qui nous voit? Eh bien, bravo, mon ami. Tu n'es pas tombé dans le piège que je te tendais et tu es resté dans le droit chemin de la sobriété. Ah, il le faut, car je suis en train de réparer le véhicule d'un individu de sexe... Égal à l'homme. Oui, c'est cela, Denis. Individuse à laquelle je vais remettre une facture tout aussi égale. Car c'est toujours ce qu'on fait chez Germain Langlois, mécanique générale. 555-8622. Et que me vaut l'honneur de ta visite, mon excellent et fidèle compagnon? J'ai aimé que l'on parle. Ah, et de quoi donc? Eh bien, comme d'habitude, mon ami, de nos émotions. Ah! Eh bien, tu as choisi le bon endroit pour révéler tes secrets les plus intimes. Est-ce qu'il serait question, par hasard, d'une jeune demoiselle prénommée Dominique? Eh oui, celle que j'ai... respectée? Oui, celle que j'ai respectée comme une bête l'autre soir. Eh bien, depuis que je suis avec elle, je me sens surveillé, épié, espionné. Je n'ai plus de secrets. Tout cela n'est qu'une impression, voyons. Hey! Laissez-moi tranquille, vous comprenez?
compris? Je suis tanné, moi, là. Je suis tanné. Ça va, Denis? Oh, ça, ça peut pas aller mieux. Bon, ben, excellent dans ce cas-là. Jean-Louis? Mm-hmm. Ça t'arrive pas de te sentir surveillé? Ah oui, constamment. Oh, hein? Ça n'a pas l'air à te déranger? Ah ben, au contraire. C'est extraordinaire que maman du haut du ciel puisse savoir en permanence où est-ce que je suis, qu'est-ce que je fais et à quoi je pense. Qu'est-ce que tu trouves d'extraordinaire là-dedans? Ben, c'est parce que je suis plus obligé de l'appeler pour y dire. Non. Mais mettons, dans le monde des vivants, là, comme moi, j'ai l'impression que ma vie est rendue comme un buffet à volonté de renseignements. Dans quel sens? Ben, dans le sens que ma blonde, ma boss, mes collègues de travail, ma banque, mes compagnies d'assurance, on dirait qu'ils en savent plus sur moi que moi-même. Ils violent mon intimité. Ah ben, pas juste eux autres, hein? Comment ça, pas juste eux autres? Ah, quoi? T'étais pas au courant? Au courant de quoi? Non, rien, c'est correct, j'ai rien dit. Non. T'as commencé quelque chose, tu vas finir, toi. Denis, ce qu'on sait pas, ça fait pas mal. Mais ça tombe bien, je fais le mazo. Denis, je sais vraiment pas comment ça s'est retrouvé là, hein? Où, là? Ben, sur Internet. Quoi? Qu'est-ce qui s'est retrouvé sur Internet? Tu sais, puis moi, je suis tombé là-dessus tout à fait par hasard. Qu'est-ce qu'il y a? Pas des photos de moi? Disons, un genre de photo très... où on voit une partie très, très intime de ton anatomie. Ah oui? Laquelle? Ta vésicule biliaire. Comme ça, vous êtes tombé sur mon site web. Il est bien foutu, non? Franchement, docteur, mettre les radiographies de vos patients sur l'Internet. Vous n'allez pas me dire que ce sont des photos cochonnes, quand même. J'avais pas de linge là-dessus, moi. Peu importe, vous n'avez pas de peau non plus, mon vieux. Mais ça, Doug, on pourrait s'attendre de votre part un peu plus de secrets professionnels. Eh bien, je vous rassure tout de suite. Le numéro d'assurance maladie du patient n'est jamais divulgué. Ah non? Non, sauf quand une compagnie d'assurance vie paye assez cher pour l'avoir. Non, là, ça suffit. Quoi donc? Ben, c'est rendu... Personne n'a plus de secret pour personne. Moi, c'est rendu, il m'a semble servir comme un rat de laboratoire. Monsieur Charret, bien sûr, l'information circule de main en main. Bien sûr, nous sommes fichés partout, mais pourquoi vouloir aller contre le progrès? Ah, parce que vous appelez ça le progrès, vous? Oui, monsieur Charret, nous habitons une maison de verre où Internet et bureaux de crédit font office de Windex, vous comprenez? Fantastique. Moi, pour les surfaces vitrées, je préfère Windex à Fantastique. Prenez, monsieur Net, ça vous tente, mais aboutissez, OK? Oui, monsieur Charret, je pense que nous devons revoir notre notion de l'intimité. Et admettre que nous faisons tous partie d'un même village global, d'une même famille, observés 24 heures sur 24, un peu comme des brodeurs, quoi. C'est comme les brodeurs de Big Brother, hein? Oui. Et d'ailleurs, avez-vous regardé hier? Moi, le coup des céréales, j'ai trouvé ça fort, hein? Pi, qu'est-ce qui s'est passé? Hugo est allé aux toilettes, puis là, il revient dans le salon avec sa sœur. Hey, j'en reviens pas comme c'est réaliste. Ah oui, des fois, ça fait peur. Puis le père, lui? Ah, il est en chemin pour la maison. Ah, ben t'es justement là. Bon, il stationne son auto dans l'entrée. Mmh. Il débarque de l'auto. Oh. Il monte l'escalier. Il ouvre la porte. Il rentre. Capote pas, Denis, c'est juste la paranoïa. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Rien dans quel sens? Dans le sens de rien, rien. Bon, là, c'est assez de ce maudit TV, là. Mais voyons, les nerfs, là. Ouais, justement, ils sont à bout de mes nerfs. Je suis plus capable de les voir de grand face, je suis content de passer à la TV, eux autres. Ah, mais ils savent pas tous qui passe à la TV. Comment ça? Ah, ben, le père le sait pas, lui. Mm. C'est le seul. Tous les autres, c'est des acteurs. Qu'est-ce que t'es en train de me dire, là? Ben, c'est un genre de grosse surprise, mais 24 heures sur 24. Ouais. Un peu comme le film Truman Show, si tu préfères. Bon, on peut-tu continuer à regarder, là? Non. Mais pourquoi non? Ça nous tente, nous autres. Parce que non, c'est non. Puis tant que vous allez vivre sous mon toit, c'est moi le boss. Qui c'est qui l'a fait rire, lui? Ah, c'est quand t'as dit sous mon toit, là. Mais qu'est-ce qu'il y a de drôle là-dedans? Ben, c'est parce qu'il n'y en a pas de toit. Les enfants! Je
Hey, Nicolas! Non, je le sais pas. C'est quoi ça? Sont où les chambres, là? Bon, donne-moi deux secondes, père, il y a quelqu'un qui veut me parler. Quoi? À qui tu parlais? Ben, à mon père. Comment ton père? Roxane? Ah! Oui, mais qu'est-ce que tu fais? T'es chaud, toi? Mais là, j'ai pas ma perruque. Oui! C'est ça, là? On va m'attendre dans le char. Je vais visiter l'arrière-scène. Ah non, Jean-Louis, vite, vite. Ça te ressemble pas, tu fais des affaires de même. Ben là, tu sais. Je peux bien sortir de mon personnage à un moment donné. OK, finalement, regarde, on va changer ta dernière réplique. Bon, alors je dis plus, c'est ça qui est ça? Non, tu vas dire, ça te tenterait-tu qu'on monte à Chicoutimi en fin de semaine? Encore des changements, laisse-moi voir ça. Ça te tenterait... Je te demanderais-tu qu'on monte à Chicoutimi en fin de semaine? Oui, ça va aller. C'est qui, ça? C'est le scénariste. Comment le scénariste? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi, ça, là? On dirait un show de TV. C'est un studio de TV. Comment? Qu'est-ce qu'il enregistre? Ta vie. Non. Tu vas pas me dire que mon fils puis mes compagnons de travail puis... Tu vas pas me dire que mon meilleur ami... C'est tout arrangé. Puis le monde regarde ça? Beaucoup de monde. Puis t'as pas idée comment ils trouvent ça drôle. Non, Germain, ça n'a pas de bon. Germain! Non! Mais ça peut pas être ça, là. Oh non, Germain! Germain, non, Germain! Germain! Hey, toi! Hein? Qu'est-ce qui se passe? Ben, je pense que ça fait un mauvais rêve. Hein? J'ai ouvert la porte de la chambre. Ouais. Et sais-tu qu'est-ce qu'il y avait? L'autre bord de la porte de chambre? Non. Il y avait la chambre! Ouais, ça c'est bon. Par exemple, là. Ouais. Ben, il y aurait ça à changer. Oui, ça, tu me l'avais donné comme indication, de toute façon. Qu'est-ce qu'il y a, Denis? Étiez-vous en train de parler de moi? Non, on n'a pas encore épuisé les sujets de conversation intéressants. Parliez-vous de Big Brother, d'abord? C'est quoi, ça? Rien, oublie ça. Roxane? Quoi? Est-ce que tu connaîtrais une Dominique Dussault? Est-ce que je devrais? Non, ça va. Roxane? Quoi encore? Tes cheveux, sais-tu leur couleur naturelle? Pas du tout. Ah non? Ben non, tu vois bien, j'ai des mèches. Ah. Jean-Louis? Ça t'arrive-tu, toi, des fois, de te sentir observé? Par qui? Je sais pas, moi. Par ta mère, du haut du ciel. Ma mère, hein? Denis, elle peut pas m'observer. Elle est morte. Je sais, mais... Des fois, moi, je me demande sur quelle planète tu vis, toi. Un système de surveillance? Ben oui, tu sais, des caméras, des micros, puis du monde qui t'observe 24 heures sur 24. Mais non, j'y ai même jamais pensé. Tu me rassures, mon chum. Car j'aurais trop peur que ces images se retrouvent dans des mains auxquelles elles n'étaient pas destinées. Mains qui pourraient en faire un usage illégitime. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben qu'il y a certains aspects de mon métier de garagiste qui n'appartiennent qu'à moi. Ah, je comprends. Tu voudrais pas que tes concurrents connaissent certains de tes petits trucs?
Non, je voudrais pas que ma craque de fesse se ramasse sur Internet. En tout cas, tout est bien qui finit bien, mon Ouais. Puis, je voulais te dire quelque chose, puis je m'en souviens plus. Ah oui, c'est ça! Ça te tenterait-tu qu'on monte à Chicoutimi en fin de semaine?